Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ravenlock, un jeu développé et édité par Coco Cucumbers. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Alors avant de poursuivre l'aventure, nous allons d'abord retourner dans la forêt des champignons puisqu'il y a trois figurines qui s'y trouvent encore. Bien, maintenant, nous allons pouvoir poursuivre l'aventure et on va se rendre dans l'atelier des masques. Ici de nouveau, il va falloir parler à plusieurs personnages afin de débloquer des quêtes, ce qui va nous permettre d'avancer dans notre histoire. Thank you.
Nous pourrons résoudre ce puzzle un peu plus tard, ne vous faites pas de soucis. Ici, il va falloir ramasser 4 morceaux de masque éparpillés un petit peu partout dans la maison. Pour le prochain succès, vous devrez battre les 3 vagues d'ennemis qui viennent sur vous. Yeah.
Pour aller plus loin, vous devrez enfiler le masque qui vient d'être confectionné. Donc pour ça, vous appuyez sur Start, vous allez dans Chapeau, vous sélectionnez en cliquant sur A. Et en plus de ça, vous débloquez un nouveau succès. Pour la quête suivante, vous devez ramasser 9 morceaux de tissu. Attention à ne pas vous faire prendre par les jumeaux qui patrouillent un petit peu partout dans la pièce et qui surtout ont une mécanique un peu aléatoire. Donc faites bien attention parce que sinon vous êtes expulsé de la salle. Thank you.
Vous devez parler au jumeau qui se trouve à droite. Pour cela, appuyez assez rapidement sur A avant qu'il vous repère et vous expulse de la pièce. Pour venir à bout des deux jumeaux, je me suis principalement concentrée sur celui qui a le gros marteau. Pourquoi ? Parce qu'il ne frappe qu'un coup, voire deux maximum à la fois, tandis que celui qui a le petit marteau enchaîne les coups sans arrêt. Donc, pour ma part, je me suis vraiment concentrée principalement sur un ennemi. Je n'ai pas hésité à utiliser des potions de bombe et des potions de santé, beaucoup de LB, beaucoup de RB, et ensuite, une fois que l'un des deux est décédé, je me suis attaquée à l'autre. Vous le voyez ici, lorsque vous passez à travers un cercle violet, cela vous enlève de la vie. Donc faites bien attention également où vous placez votre personnage. Fire!
Pensez à bien récupérer ce tableau pour le placer de nouveau dans la maison victorienne et ainsi terminer la quête. Nous allons dès à présent nous concentrer sur le puzzle que nous avons rencontré un tout petit peu plus tôt. Alors, je vais vous éviter tout le cheminement puisque j'ai fouillé la maison de fond en comble. En réalité, vous verrez sur certains murs, il y a trois objets bien particuliers avec une teinte aussi bien particulière. Donc, on va se rendre directement au puzzle afin de pouvoir trouver la solution et l'objet qu'il cache. Alors là, pareil, j'ai fouillé la maison de fond en comble à la recherche de cette fameuse personne à qui on devait donner l'objet brillant. Donc je vous amène directement à lui. Il se trouve dans l'atelier, la première pièce que nous avons visitée en tout premier. Nous allons maintenant pouvoir remettre le tableau à sa place et poursuivre notre aventure. Il faudra ici toucher le tableau et dire yes afin de nous retrouver dans le monde fabuleux du thé. Thank you.
Pour battre ce monstre, privilégiez plutôt les attaques lointaines avec LB par exemple. Et puis vous pouvez être au corps à corps quand celui-ci commence à mâchouiller quelque chose. Les bombes jusqu'à présent sont assez inefficaces sur lui ou du moins ne l'attaquent pas vraiment. Donc voilà, plutôt LB et plutôt des attaques au corps à corps quand celui-ci mâchonne quelque chose. Burst!
take this! Avant de rejoindre le téléphérique, je vais en profiter pour rejoindre la forêt des champignons afin d'augmenter un tout petit peu mon level et puis d'échanger déjà les quelques figurines que j'ai en ma possession. De même, vous avez un succès où vous devez acheter 30 potions, donc du coup j'en profite pour faire quelques achats. Alors, selon le nombre d'argent que vous avez, c'est toujours préférable effectivement d'avoir plutôt des potions qui coûtent 50 pièces. Mais bon, étant donné que moi je vois grand, eh bien je préfère acheter celles qui coûtent un chouïa plus cher afin de régénérer encore un petit peu plus ma vie. Très important, pour utiliser le téléphérique, il faudra dépenser 100 sous, donc faites attention à vos dépenses. Thank you.
Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Ravenlock. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.